Je dis normalement, et moi, pour parler de la foi, et avant tout, moi, saluer nous toutes, sans distinction, et merci d'être ce que vous avez regardé la vidéo, ça. Et vous faites un bon choix d'être ce que vous cliquez normalement sous vidéo, ça. Et la foi, normalement, c'est quoi? La foi, c'est un bagage qu'on croit dans lui, qu'on a une image dans la tête ou que bagage ça qu'on croit dans lui est capable de réaliser. Et pendant ce temps, on peut croire, mais on croit. Et si nous t'as allé dans la Bible, et étant qu'il y a un livre de référence, pour n'a capable de dire pour toute zone Amérique là, et livre, un plus gros livre de référence que nous gagnons, c'est la Bible. Et c'est pour une raison, en pile religion, surtout religion chrétienne, utiliser la Bible, en pile. Et je suis capable de dire vaudouisant tout utiliser la Bible, parce que je connais en pile vaudouisant, et le dimanche, je connais à l'église catholique, surtout, pour y aller prier. Et donc, je crois dans la Bible. Et malgré nous, il y a quelques tout qui ne doivent pas croire dans la Bible, mais quand même, ils ont fait usage des Bibles. Et parmi l'autre religion, qui pas christianiste, ils ont utilisé la Bible tant que Ku Klux Klan, ils ont utilisé la Bible. Et c'est le livre référentiel. Ou gagné. Et l'autre secte qui peut-être pas religion, qui utilisait la Bible tout tant que la franc-maçon. Et qui prend la Bible comme boussole aussi. Et au gagnant et kabbalistes aussi qui utilisaient la Bible en pile et qui croient que la Bible a son vérité absolue pour eux. Donc cela veut dire que la Bible, normalement, que ce soit chrétien ou bien pas chrétien, mais c'est un livre de référence et un livre moral qui est capable d'aider et gagner une meilleure vie. L'hypothèse dépend de façon à apprendre la Bible, façon à comprendre ni, et façon que vous utilisez, et c'est ça qui va définir et vie. Si vous apprenez ni, et mal, eh bien, il pas de faire progrès, l'apprenons médiocre. Et si vous apprenez ni bien, il y a pour réussir. Et même gens avec un pile américain qui a prêché et l'évangile ou bien qui chrétien qui veut faire bagaille qui extraordinaire dans vie et c'est parce que yo comprennent la Bible bien. Eh bien pour nous commencer nous pour aller dans Romains 10 verset 17 et il dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et tout le monde qui croit dans la religion ou bien qui croit que Jésus a venu, c'est un monde qui gagne la foi. Mais est-ce que la foi tout simplement suffit pour le sauver? Non. Et tout le monde qui croit dans le succès, qui croit qu'il est capable de réussir, c'est un monde aussi qui gagne la foi. Est-ce que la foi seulement capable de avancer? Non. Eh bien, nous allons voir ça tout à l'heure. Nous parlons dans Hébreux 11, verset 1er, qui ça le dit. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok? Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Donc, la foi, pour contre lui, il dit que c'est un assurance, yon ferme assurance, yon assurance solide, yon bagay, yon idée que vous gagnez, que vous croyez là-dedans, et ou tellement croyez, et ou croyez que la réussi quand même, ou regardez le devant comme si, nan, ou une image qui vient dans la tête, ou qui montre exactement qui ça, bagay ça a pralé leur réussi. Donc ça, c'est ça que nous relè la foi.
Et image qu'on a tout, c'est lui-même qui représente démonstration de un bagage qu'on pas ouais, qui veut dire ou gen une image qui présente dans tête ou qui dit mais comment réussite la bralier. Et en plus, les deux sous table et réussi yon bagay, eh bien ancien yo gagné témoignage de ça. Donc qui veut dire ancien yo capable aider yo. Par exemple, là dans l'église, ou est que gagné ancien monde qui peut-être gagné 10 15 ans qui dans l'église qui gagné bonne qui gagné bonne marche dans l'église et qui là pour aider ou, pour orienter ou vers une bonne direction d'après croyance. Et c'est même gens tout dans business là que ou gagne la foi, eh bien pour capable gagne la foi, pour capable joindre ça au besoin, faut que ou gagne monde qui t'est dans business déjà, qui gagne expérience et qui capable montrer au chemin, qui capable montrer comment on capable arriver réussir. Donc témoignage moun sa yo capable normalement et d'arriver loin. Et puis, l'on allait dans Jacques 2, verset 26, qui ça le dit. Il dit, comme le corps sans âme est mort, eh bien, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, si vous avez la foi, ou pas travail en harmonie avec la foi que vous avez, eh bien, foi ça, c'est une foi qui est morte. Donc, foi ça, inutile, les papes ne servent rien. Donc c'est même genre où ta fin prend un plan ou dit m pral planter prend ça et puis avant que ou al planter plan ou bouille l'avant. Et puisque ou fin bouille le cul jam nan, et bien pas gen raison pour fois ça pour plan ça lever encore. Grain ça pas lever parce que il déjà cuite. Donc c'est même genre avec yon moun qui gen la foi mais qui pas travail pour réussir ça le besoin. Et fois dernière m'te fait une vidéo sur la prière. C'était même, et d'accord, c'est presque même bagarre là, livré, défini là. Ok? Et, par exemple, vous gagnez encore Luc 17, verset 6, qui ça le dit. Il dit que, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, et vous diriez, à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Si vous avez la foi comme un petit grain de montade là, c'est qui s'allie, c'est un petit bois et un petit plant qui grandit dans la rage, et qui a un petit grain tout petit comme un petit grain petit mi. L'idée, si foi, vous avez gros, c'est ça. Ou t'es capable 10 pieds sycomore, sycomore c'est un bois que nous les et en français bois des érables et en anglais on dit maple tree. Ou t'es capable 10 pieds bois ça lever, racher tête li, à le planter dans la mer et bien t'a obéi avec. OK? Donc pour montrer que en pile fois nous pas arrivé réaliser des bagages qui extraordinaires, c'est parce que nous pas gain la foi. Et là nous gain arriver gain la foi, nous pas fait zèv des foi yo qui c'est travail. Travail en harmonie avec idée que vous gagnez avec foi, assurance que vous gagnez pour capable arriver réaliser ça au besoin. Et nous parlons au niveau intellectuel ou bien scientifique comment que la foi définit. Nous sommes capables de dire que c'est presque le même bagage là, mais qui définit dans différents sens. Et d'après un ancien écrivain qui était Napoléon Hill, monsieur dit que whatever the mind can conceive and believe the mind can achieve. C'est en anglais. Je vais répéter pour vous encore et puis après je vais traduire pour vous. Whatever the mind can conceive and believe the mind can achieve. Donc, très simple, l'idée que ce soit, l'idée que vous avez dans la tête,
puisqu'on est capable de croire, eh bien, on est capable aussi d'achever. Que ce soit idée que vous avez dans la tête, puisqu'on est capable de croire, eh bien, on est capable d'arriver à achever. Et si je dis à ouais, avion a volé, son monde qui te gon idée, et puis le quoi dans l'idée, et il fait œuvre là, qui veut dire qu'il se travaille, il travaille avec persistance et détermination, et bien il fait idée vin réalité. Machine que vous reconnaissez là, tout le monde capable de conduire une machine ou bien prendre un livre dans une machine, quand vous prenez un côté bien, vous êtes capable de 2-3 jours à marcher, et bien dans quelques minutes vous arrivez. Eh bien, c'est un monde qui a une idée, qui suit l'idée, qui travaille en harmonie avec l'idée, qui rend ni une réalité. Donc, si je dis, ou ta remè, bon Dieu, font bagaille vous, pas grand prophète, qui a pris devant bon Dieu pour dire, mon cher, m'a fort riche, m'a fort réussi, li ka edo pour yon plat manger, li ka edo pour yon côté pour dormir pour quelques jours, li capable d'o peut-être pour joindre un emploi, mais pour réussir, pour réaliser ba qui extraordinaire, eh bien ou doit travailler ou même personnellement à propre main pour réaliser ça qu'au besoin, même Jean-Paul dit. OK, et c'est même Jean, si t'as pour exemple yon jeune garçon peut-être qui dans vingtaine ni qui t'a aimé dans 5 ans prochain pour mon petit qui gagne 2 ans, eh bien, il y a un bagage pour le faire. S'il peut quoi travailler, c'est chercher un emploi. Deuxième bagage, c'est commencer à parler avec fille que lui est capable au moins accepter. Et troisième bagage, c'est chercher convaincre fille ça, parce que fille ça peut-être a une autre idée, peut-être c'est docteur devenir dans 5 ans prochain, peut-être c'est infirmière, peut-être c'est avocat devenir dans 5 ans prochain. Et faut capable au moins convaincre lui pour suivre l'idée pour là, et bien pour nous déjà capable mettre ensemble pour nous faire ça nous voulons. Et bien après que ou fin convaincre ça, et bien faut au moins capable marier avec elle ou bien décider vivre avec elle dans relation conjugale au moins pour lui capable vivre enceinte pour et bien dans 2 ans et dans 5 ans comme on te voulait là pour capable gagner un petit qui gagne 2 ans. Donc c'est yon zèv des fois, parce que puisque ou gon idée, eh bien ou quoi idée ça, faut travailler en harmonie avec idée pour réaliser rêve. Et c'est même gens tout sous table gagne 1 million de dollars dans 5 prochaines années qui va venir, eh bien puisque ou quoi, OK, li capable rêver réaliser. Mais l'important c'est travail en harmonie avec l'idée que vous avez pour les capables de vivre possible. Mais si vous avez dit que vous avez un rêve ou quoi que rêve soit capable de réaliser, eh bien, vous ne faites pas rien pour ça. Vous avez perdu du temps, même si vous avez prié toute vie, eh bien, vous ne pouvez pas réaliser rien. Et c'est pour une raison qui fait dit que et la foi sans œuvre est inutile. C'est Jacques 2, verset 26. La foi sans œuvre est inutile. Donc, que ce soit prier ou prier, si vous ne faites pas œuvre de foi, eh bien, vous ne pouvez pas réaliser rêve. Donc, moi, j'espère que la vidéo ça vous a appris de lui. Et si toutefois vous avez appris, eh bien, partagez-le avec l'autre ami, pourquoi pas. Et si vous avez aimé continuer à attendre petit message comme ça, eh bien, considérez que vous abonnez-vous avec Chanel là et qui c'est résultat. Et puis comme ça chaque fois me la gon vidéo ou capable recevoir une notification. Si Chanel là et computer là c'est en anglais et ou bien c'est dans zone anglaise que vous attendez, eh bien vous capable appuyer sur subscribe. OK? Et bien comme ça vous capable affilier avec Chanel là et comme ça ou toujours capable d'entendre. Et pas négliger faire commentaire là on bagaille que vous l'entendez. Eh bien fait commentaire en bas vidéo. Et si vous m'en croyez l'autre façon, eh bien pas négliger faire commentaire. OK, bye bye.